Salut, c'est Marof, bienvenue pour un nouvel épisode de Return to Castle Wolfenstein Opération Résurrection. Alors, on continue l'aventure. On est toujours dans le village de Paderborn, donc que l'on doit traverser. Et on doit surtout le traverser sans déclencher l'alarme pour accéder jusqu'au château de Schufstaffel. Voilà, allez, c'est parti. Alors. Bonjour, Saint-Emilion, 1938. On a déjà un mec qui traîne dans le coin. Ah, où est-elle? On va peut-être pouvoir se le faire au couteau, lui. On va essayer d'y aller tranquillou. Voilà. Lui, c'est bon. Voilà, parfait. En plus, on récupère un peu de mun. Par contre, on va tout de suite démarrer avec la Sten. Alors, ensuite, aurait-on ici, par contre, un passage secret quelque part? Bon, il me semble que oui, hein, que dans cet endroit, on a quelque chose. Mais, c'est pas là. Alors, on va essayer de tout faire. Ah, bah, regardez, si, c'est là. C'est pas ça? Voilà. Ça ouvre quelque chose, mais où ça l'ouvre? Ah, d'accord, ici. Et... Oh, donc on a découvert une zone. Oh, c'est bien une zone secrète. Avec tout ça, c'est cool. Trois trésors, en espérant qu'on aura trouvé l'intégralité des trésors pour une fois. Alors. Sinon, donc je vais ressortir, ok. Et maintenant, on va devoir trouver le pochetron. Là, il est où, lui? Ah, mais d'accord, pas ici. Ok. T'es où, toi? À droite. Là-haut. D'accord. Est-ce qu'il va être à quatre pattes ou pas? Il est pas là. Où est-ce qu'il est? Ah, d'accord, il est là-haut, en bas, là. Voilà, on se le fait dans le doute. Je sais pas si on va devoir le rejoindre. Je sais pas, mais dans le doute, voilà, il est mort. Toujours un asile moins. C'est toujours ça de gagner. Alors, on va monter. André, viens me réchauffer un peu. Ouais, je vais venir me réchauffer, tu vas pas être déçu. Alors, on va faire attention à pas tuer d'innocents. Ok, on va prendre cette première porte. Est-ce qu'il y a du monde ici? Non, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Non plus. Ok, allez, on poursuit. Alors, lui, il nous donne quoi? D'accord, MP40. Ok, là on passe à l'extérieur. Donc ce qu'on va faire avant de sortir, on va sauvegarder. Alors, restons sur nos gardes. Ici, rien. En ce moment, je suis en train de jouer à Everybody's Gone to the Rapture. Ou alors... Ah merde! Merde. Donc il nous a détecté, lui. Et voilà, c'est mort. Ok, bon. Comment je devais procéder? Donc je vais d'abord devoir le buter lui, il semblerait, en premier. Ok. Donc je disais que je joue en ce moment à Everybody Gone to the Rapture. Hein? Non. Fais chier, toi. J'ai même pas le temps de dire ouf. Oh là là, la misère. Allez, on rentre. Bah voilà, c'est mort. Donc on va tout de suite changer d'arme. Voilà, hop, on va viser. Et on va se le faire. Qui m'a vu autrement? Eh merde. Bon, alors comment je vais devoir faire?
Mystère à boule de gomme. Bon. Parce qu'apparemment, ils sont deux à nous voir. Mais alors, qui nous voit? C'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre qui arrive à nous voir. Donc, il y a l'autre là-bas, ça c'est sûr. Donc, qui doit être par ici. Lui. Là, il n'y a personne pour l'instant. Hop là. On va recharger. J'ai l'impression que j'ai entendu courir. Mais... Voilà. Un mort. Déjà. Ça court à droite. Légèrement à droite, j'ai l'impression, par là. Ah voilà, c'est ça. Ah non, sonnez l'alarme. Bon, merde, c'est pas ça non plus. Ce que je viens d'entendre... Eh, voilà. Ah. C'est vous, Billy ? Alors, il semblerait que buter le premier là-haut, ce soit une bonne chose. Ah, attendez, il y en a là-haut. Il y en a là-bas aussi, peut-être. Si lui meurt... Lui, c'est bon. Ça déclencherait. Très bien. Donc on va faire celui-là. Du coup, on va faire celui qui est là-haut, à droite. En face, il n'y a rien. Non, ouais, fais pas le con. Lui, il meurt. C'est bon. Lui, il meurt. C'est bon. Ensuite. On va peut-être passer par... j'allais dire ici par la porte. Est-ce que c'est ouvert ici? Ouais, c'est ouvert. On a peut-être du monde là-dedans à buter aussi. Ok. Oh oui, ça a l'air de s'activer dans ce bâtiment. Ah, est-ce que c'est un soldat? Ah bah oui, c'est notre Gugus. C'était là où on avait buté l'autre mec tout à l'heure. Ah, excellent. Bah remarquez, j'ai excellent mon final. Non, je suis déjà à bloc au niveau... On a récupéré de la mune, c'est toujours ça de prix. Donc ici, c'est là où on a buté le gars tout à l'heure, le poivreau. Ok. Bon bah on remonte. Et donc au-dessus, on entend, hein, ça piétine au-dessus, d'accord. Donc... J'ai buté tout ce qui traîne par ici. Comment on va faire pour... Ah bah si, par là tout simplement. Allez, on va essayer par ici. Bon, je sauvegarde. Hein. Hop là. C'est vous, Billy ? Hein ? Ouais, c'est bon, ouais. Hein ? Voilà, l'officier nazi est mort, déjà. Ça, c'est bon. Ok, alors... On a des... découvert une zone secrète qui s'ouvre où ? Là-bas, d'accord. Ici, il n'y a personne. Parfait. Oh, très bon, ça. Allez, viens là. On prend tout ce qu'il y a. Tout ce qu'on peut récupérer. Très bien, parfait. Alors, ensuite, on va être dans l'autre pièce. Je pense que là, il y a du monde à buter aussi. Histoire d'être peinard. Alors ici d'abord. Ah bah non, c'est... Ah bah voilà, c'est elle. J'avais un doute quand même sur le fait que, vu les allers-retours qu'elle faisait, je me doutais que c'était une civile. Et là, un placard, d'accord. Bon. Ensuite, du coup on ressort. Donc, comme je disais, Everybody Gone to the Rapture. Très bon jeu, très très sympa. Par contre, c'est vraiment un jeu d'ambiance. Hein. Si vous cherchez un jeu où ça... où on défonce tout, c'est pas ce jeu-là qu'il faut jouer. Hein.
Alors là, j'ai buté le mec ici. Voilà, c'est tout. Maintenant, je suppose qu'il faut aller par ici. Il faut y aller discrètement. Est-ce qu'on peut rentrer ici? Non. À mon avis, ça va être impressionnant, non? Il y a du monde à gauche. Tu crois? Tu te souviens de ce que la mère Blavatsky a fait dans le Holstein? Alors, est-ce qu'on peut aller en face? Ici, non. Là, c'est l'alarme. Ah ouais, ça s'ouvre ici, impeccable. Bon, c'est juste une zone... Ah d'accord, bon. Voilà. Impeccable, j'ai pas déclenché d'alarme, donc je continue. Je fais gaffe, hein. Je sais pas trop comment je vais aborder les choses au fur et à mesure. Parce qu'à mon avis, il va quand même y avoir un mec que je vais pas voir. Ok. Donc premier objectif éliminé, c'est bon. Et on doit accéder au château. Mais c'est vraiment ce que dans la cinématique, il parlait du château Wolfenstein. Alors que non, c'est rien à voir, c'est pas le château Wolfenstein. Hop là, donc je suppose que c'est ici l'entrée. Ah bah voilà, on arrive à la au deuxième objectif, j'imagine. Voilà. Ok, alors. Très bien. Et je pense que. Ouais, je pense que l'entrée est par ici. Donc pour finir, un rapture qui n'a rien à voir évidemment avec le jeu BioShock, hein, qui se passe aussi dans un endroit qui s'appelle Rapture, une ville qui s'appelle Rapture d'ailleurs. Donc il est de mémoire 4,99 sur le PSN en ce moment. Ça vaut le coup, franchement. Hop hop hop, on remonte un peu. Oh, j'ai eu tous les trésors, tous les bonus, ça c'est cool. Ah, ça vaut le coup, donc je vous le conseille vivement. C'est un jeu qui détend vachement, très très beau graphiquement. Avec une histoire sympa à découvrir. Donc j'ai pas encore fini le jeu, mais je connais un petit peu l'histoire. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera, je pense, un petit épisode, et donc la prochaine fois on attaquera l'intérieur du château. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.